Salut à tous, c'est Placer. On se retrouve pour la suite du Let's Play sur Prison Architect. Voilà, donc je reprends le Let's Play dont je vais arrêter pendant un petit moment, hein, mais bon, là je reprends un petit peu tout doucement. Donc on en était resté. Donc on avait fait la première petite prison qui est là ici. Voilà. On avait fait là avec tous les bureaux qui étaient là ici, avec la cantine, le parloir, la cu et la buanderie, tout ça. Donc on avait construit l'extension de prison qui est juste là ici. Voilà. L'extension de prison. Donc il nous a permis de doubler notre capacité. Là j'avais fait notre cours. Là j'avais commencé à faire les trucs de travail carcéral. Et là donc j'avais lancé un nouveau bâtiment. Donc c'était la deuxième salve d'extension. Voilà. Et en parallèle j'avais fait une nouvelle cuisine. Donc je vois qu'il y a une petite mise à jour qui a été faite depuis la dernière fois qu'on a joué. Là maintenant il y en a 4. Il n'y avait pas 4. Qu'est-ce qui se passe ici? Voilà, attention, il y a son paroxysme, je sais pas ce qui se passe. DC aujourd'hui. Mort d'overdose. Qu'est-ce qu'il foutait là derrière en même temps lui? Je vais regarder un peu au niveau de la logistique. Attends, déploiement peut-être? Ah oui, personnel seulement. C'est ça. Ça marche de toute façon. Ok, maintenant. Alors, qu'est-ce qui s'est encore passé ici? Assassiné par un prisonnier. Alors. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Je vais mettre la porte là ici. Qu'est-ce qu'ils viennent foutre ici en même temps? Comment y arriver là celui-là? Ah bah oui, il passe. Ah non, ils peuvent pas passer là. Il passe là. Faire si je vais construire un mur ici. Alors attends, on va construire un mur là comme ça. Hop, voilà. Et lui, on va démonter la porte.
Ouh là là là, une émeute. Oh là là. Oh là là. Verrouillage confinement pour tout le monde. Fouah, fouah, fouah. Eh ben, ça commence fort. Ça commence fort. Et lui, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Bon allez, on va pas recommencer peut-être à prendre nos... Ah, du coup, parce que comme il y a une émeute... Et de quoi ils se plaignent en fait? C'est ça que je comprends pas, moi. Des clés de gardien et tout, ça rigole plus. Putain, ils ont trouvé de la contrebande là.
Est-ce qu'il reste une cachette à aller vérifier? Renseignement. Informateur, voilà. Ça sert toujours d'avoir des informateurs dans une prison. Où les médecins? Les médecins, ils sont là. Plus de médecins? J'ai plus qu'un médecin. J'ai plus d'argent. Mais là, ici. Il y a un trou dans la prison, là, ici. Qu'est-ce que c'est que ce truc, ici? Merde. Une porte de prison grise. Comme ça, déploiement. Mettre personnel seulement ici. Au moins là, ils pourront pas passer. Les aliénés. Voilà. Ça, les alignés pourront pas aller là-bas. Attention, il est toujours à son comble. Par contre, je comprends pas pourquoi. Bien. Et voilà, ils vont lancer le camp. Escorter prisonniers vers cellule. Carrément, il va falloir qu'ils aillent en cellule.
fais-le lui. Qu'est-ce que c'est? Il est mort. Mort de faim. Oh là là, ça part en cacahuète totale là. Déjà, on va reprendre un médecin. Déjà. Soit possible que ce soit. Hein. Soit possible que ce soit. Qu'est-ce que c'est aussi bas là? Amende de récidive moins 5 000. Putain, chier. Deuxième décès aujourd'hui. Ah, c'est pas possible. Oh là là là. Et lui, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Plein de bugs, le jeu. Bon, maintenant qu'on a passé les maths, il va peut-être pouvoir enfin commencer à travailler sur autre chose. Diplôme. Mais tant qu'il n'est pas fini, je peux pas le faire. On va arrêter déjà, ça va peut-être sortir de faire baisser un peu le. Bon, on va regarder un peu les rapports. Prisonnier, non, c'est pas ça. Les besoins, qu'est-ce qu'ils ont besoin de plus? Personnel, c'est la nourriture, apparemment. Ce qu'ils ont besoin de plus, c'est des vêtements, la littérature, produits de luxe, spiritualité, sécurité. Hein. La nourriture. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été. Logistique, distribution de nourriture. Donc, eux, ils ont une cuisine. Demande 16, offre 14. Pourquoi il nettoie pas ici? Je
J'avais dit que j'allais seul du courrier. Putain. Les autres. En fait, elle est buggée cette place-là. Ah, mais voilà pourquoi ça déconne. Oh putain, fais chier. En fait, tant que ce sera pas terminé, je peux pas faire mon déploiement et c'est chiant. En fait. Ouais, ça, le bâtiment c'est terminé. Une fois qu'il sera construit, on va pouvoir finir le déploiement et tout ça. Alors, personnel seulement tout autour. Voilà, comme ça. Hop, là c'est pareil. Voilà. Là c'est pareil. C'est que là, on va mettre une porte. Hop. Hop. Voilà. Comme ça, et on va faire pareil. Comme ça, là, ici, on va faire le magasin. Voilà. Planification. Mur. Alors, là, on va mettre le magasin ici, comme ça. Hop. Sur l'extérieur. Comme ça. Qu'est-ce qu'on a encore fait aussi comme ça, là? Alors, il reste le magasin. Magasin quand même.
Comme ça, ils auront un magasin. Magasin. Ensuite, foresterie, bibliothèque aussi. Ah, mais non, le problème, c'est que je peux pas faire un magasin là parce que sinon. C'est pas possible. Je vais faire, c'est que ça, on va démonter, ça, on va démonter. Pièce. Construction en béton. Insuffisant, donc ça c'est fait. Et ça recommence à augmenter. Alors pourquoi, je ne sais pas. Il est évident que le magasin devient critique. Ici, on a une salle du courrier, mais jamais personne qui y va. Déjà, il y a un souci, c'est qu'ils n'ont pas le temps pour manger. Déjà. Ils arrivent, ils ont déjà. Va faire que je refasse ça. Ils ont pas assez de temps pour manger en fait. Le problème il est là. Tant qu'ils arrivent, il y a déjà 1 heure de passer. Voilà. Et là. Y a personne ici ou quoi? Je l'ai à moins 144, qu'est-ce qui se passe? Parce que je suis encore
prisonniers au moins 40. Recruter deux psychiatres. Pouh, ok, prêt. Du psychiatre. Ne pas de psychiatre. Chacun doit avoir son bureau, propre bureau. On va les mettre là, les bureaux de psychiatre.